deux chauds avec un colorant rouge dessus en badigeon. On a une toile triangulaire, on a un niveau et on a une baguette. Donc là, l'idée, c'est qu'on va tracer et on va découper l'enduit de manière régulière. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut retirer et on fait le niveau en dessous. T'as un truc pour que je me fais mal moins longtemps. Allez, je t'en fais un dernier. Tu feras le reste, Mario? Oui. Voilà. Donc là, on a fait tous les joints horizontaux. Là, maintenant, on peut les gratter comme ça. Donc, pour laisser apparaître la chaux. Alors, je ne sais pas si cette toile, ce sera le mieux adapté pour faire ça. On va peut-être essayer de se trouver un autre aussi. Et ensuite, il restera plus qu'à faire les joints verticaux en respectant la taille de briques standard de 22 et 10,5 en faisant des croisements corrects. Ok, on fait ça tout le long. Voilà, c'est un enduit à base de chaux, un badigeon rouge en surface. Et on verra le résultat dans un moment.